Allez, on teste Pang Adventure. Tu as pris No Stray Road? Oui, je l'ai pris, ouais. On le testera aussi celui-là. Peut-être un petit peu fort, j'en ai pris plein les oreilles. Allez, mode tour, mode score et mode panique. Bon, pour le moment, on n'a pas le choix, on peut faire que le mode tour. Allez, quelle est la différence? Rouge ou bleu, d'accord. Les aliens sont de retour. Des témoins à Bora Bora confirment la présence d'un vaisseau extraterrestre au-dessus de l'île. En ce moment même, des milliers, voire des millions de balles d'attaque tombent du ciel. Des satellites indiquent que de nombreux vaisseaux sont en route vers d'autres destinations partout dans le monde. Terrien, mettez-vous à couvert et ne sortez sous aucun prétexte, s'il n'est pas un exercice. Avis aux frères Pang, si vous voyez ce message, où que vous soyez, vous êtes notre seul espoir. Allez frérot, c'est à nous, les frères Pang à la rescousse. Je savais même pas qu'il y avait une histoire sur ce jeu. Un petit jeu tranquille, moi, à l'époque, en borne d'arcade, j'y avais joué. Oula. J'arrive à perdre sur le premier niveau. Yes! On recommence. C'est pas grave. C'était le temps de s'y remettre. Voilà. L'échantillon gratuit, suivant. Ah, et puis là, on va gagner des pouvoirs au fur et à mesure. Donc, je pense qu'au début, c'est juste pour nous montrer un petit peu toutes les capacités du truc. Bon, celui-là, il est pas très dur. Il y en a certains des niveaux au début, c'est normal. C'est le tuto pour t'expliquer. Oui, il y a des monstres après. Ah, mais ils me volent des trucs, ils me volent mes bonus. Normalement, faut les tuer, ces monstres. Ouais, petit niveau tranquille, hein. Bon petit jeu d'arcade, hein. C'est petit jeu détente, hein. C'est des petits jeux, tu fais des parties et voilà.
C'est bien que je suis tout seul. Ok. Ça, il n'y avait pas... j'ai l'impression que c'était plutôt des monstres qu'il fallait buter. Au secours. Ok, c'est le bouclier. Passé. Bon, et puis bien sûr, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il va y avoir des boules où il va falloir tirer X fois dessus. D'accord, j'ai loupé le bonus de... Ok. Pas l'avoir là. Non, merde. Ok, on peut les faire tomber aussi. Ok. Ah, oh, il est compliqué celui-là. Ah, d'un coup, il y a un gap là pour le passer. Non, putain, il est passé, sérieux. Il y avait une chance sur combien que ça arrive à passer? Ah, le problème, il est là. Au secours! Ouais, faut pas se louper! Ah, mais sérieux, il est horrible ce niveau! Et mais ils ont mis un gap d'entrée de jeu! Et en plus, t'as pas de pouvoir, quoi! C'est ça qui est horrible! Si encore tu avais un pouvoir! Parce que mis à part l'invincibilité, t'as que dalle. Putain, mais en plus j'ai très peu de temps pour le finir quoi. Ah ça y est, enfin quelque chose. Non. Ok, c'est bon, trouvé. En fait, il faut trouver le pistolet qui va bien. Et merde. Et merde, 2x2. Ok. Ah, une seconde près. Je vais utiliser mon environnement là. Voilà, enfin. Oh mon dieu. Oh, qu'il a été compliqué à passer celui-là. Enfin, le pire, c'est qu'on a un temps limite, c'est ça qui est horrible.
Regarde, j'ai loupé la petite fée. Je sais pas ce qu'elle faisait. Est-ce qu'on meurt sur eux? Ah mais non, on meurt pas! Ah ouais, d'accord, ça aurait été mieux tout à l'heure de les... D'accord, de les avoir avec nous. Pourquoi ils ont mis du temps? Qui tombe. Encore me faire avoir une seconde près. Non. Oh, ce bol. Allez. Oula. Prochaine mort, on dira que ce sera la fin. C'était vraiment compliqué. C'est petit jeu d'arcade, donc c'est le jeu où on joue, allez, 10 minutes, 10-20 minutes, et puis voilà quoi. Non, ça c'est dégueulasse. Alors, eux, je sais pas ce qui se passe avec eux. Je pense qu'il faut les flinguer, sinon. Celui-là. Zut. Parce qu'à mon avis, il y avait un meilleur système pour les avoir là. Ok, voilà. Bon, c'était pour tester le petit jeu, plutôt sympa. Il y a l'air d'avoir pas mal de missions, de trucs comme ça, différentes. Et puis là, c'est que Bora Bora. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres lieux? Ça. Ah, puis en plus, il y a des succès à faire à seul ou à deux. D'accord. Ok, bon, il y a de quoi faire hein, sur le petit jeu. Bon, petit jeu, à mon avis, qu'on fait tranquillou
de temps en temps une petite partie, et puis on joue 10 minutes, un quart d'heure, puis on passe à autre chose, quoi. Enfin voilà, pour ceux qui ont de la rediff sur YouTube, abonnement, que je pousse, des commentaires, partage, il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description.